J'espère que c'est pas pour parler du maillot. Hein. Evelyne, mon maillot, mon affaire de maillot là. Comme vous ne voulez pas, vous pensez que la madre, comme la madre, aïe, le maillot de bain rose est où? Même douantiquement, on attend. Hey, affaire de maillot de bain que depuis hier, je suis en train de vous parler. Puis vous êtes en train de prendre l'affaire pour commencer à rigoler. Faire comme si la madre est en train de faire une invention là. Oh, pourtant, c'est pas le cas. Oh, pourtant, c'est vraiment pas le cas. Vous imaginez le thé, caramel, chocolat au lait, dans un maillot de bain bâche, pas string. Oui, parce que les strings, nous, là, ça fait deux. Oui. Pas maillot de bain en string, mais maillot de bain bâche. Ça veut dire que ça prend tout le rototon, le rotataï. Ça épouse, ça prend. Imaginez-vous. Mon maillot de bain que j'ai vu là, en plus, on dirait que ça m'attendait. On dirait que le maillot de bain, ils ont fait spécialement pour la madre Francine Ba. On dirait qu'ils ont déposé le maillot de bain là, mais dans le magasin, ça m'attend. Comment tu peux rentrer dans un magasin et puis te reste qu'un seul maillot à ta taille? Hey! Un seul maillot à ta taille. Un seul, une pièce à ta taille. En plus de couleur rose, le dos est ouvert, bail. Imaginez un peu le dos. Un dos décolleté de la mort. Un dos large. Comme vous voyez que la madre a un dos large, bien clair d'une manière. Imaginez le dos large de la madre. On va comme ça, là, on est obligé de se protéger. Jean-Jean, vous pensez que la madre ne va pas? La madre va dans le. Attends, je vais à la piscine quand même. Je vais à la piscine. Avec les enfants. Avec le père, bien sûr. Vous savez, à la piscine de nous, les Grataoum, nous tous, on est mélangés. Il y a des gens qui ont trois ventres, ils ont quatre ventres. Personne ne suivait son camarade. C'est chez vous là-bas. Là. C'est chez vous là-bas, les Africains. Dès que tu passes, tout le monde tourne sa figure pour regarder. On dirait tout le monde est né pour avoir des ventres plats. Question. On dirait tout le monde, on nous a tous mis sur la terre là, pour avoir des ventres plats. Voilà comme ça, je poste ma soeur, Kona, Carole, Patricia. J'ai l'impression qu'elle n'a même pas enfanté. Parce que moi, je ne vous comprends pas. Si vous passez dans les coins et puis vous nous cachez, dites-nous. Mettez le cœur. Taguez Kona ici. Taguez Kona ici. Je ne comprends pas. Vous accouchez, mais votre ventre était où? T'es où? Plat. On dirait que vous n'avez rien fait. C'est quoi? Si vous passez dans les coins, oh, et puis maintenant vous sortez, vous avez le faut nous dire. Parce que je ne comprends pas. Comment ça se fait que vous, votre ventre était où? Le vélo. Vous parlez du vélo, mais moi j'ai l'habitude de faire du vélo ici à la maison. Ceux qui me suivent depuis 1900, vous savez que j'ai un vélo sportif ici, que j'ai déposé au garage en bas. Il suffit simplement que je sors le vélo. Maintenant, s'il a dit que je ne vais pas trop à la plage, que je reste dans ma maison va faire du vélo. L'homme même qui n'arrive même pas à s'arrêter sur le vélo. De toute façon, j'aime vélo là, c'est moi-même aussi, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Vélo, quand il m'assoit dessus, vélo là, je me fais tomber. Vélo là, de toute façon, j'aime vélo. Mettez les cœurs. J'ouvre un Jean. Tu as sur le vélo d'une manière. Façon, j'adore. Piki, 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 piki. Ça donne un petit Jean là. Tiki, tiki, tiki. Voilà, moi, j'ai fait vélo ici. Comment le père n'a pas essayé de me faire faire vélo? Il m'assoit sur vélo va à gauche. Il m'assoit sur vélo va à droite. Il m'assoit sur vélo. Et oh, équilibre sur le vélo. Il ne peut pas. Sinon, il y a vélo. Mais c'est comment il m'assoit là-dessus là qu'il y a le problème. Sinon, le vélo est présent. Il y a le vélo de sport à la maison et il y a le vélo de la rue. Donc, je peux prendre le vélo là et puis faire Jean-Jean. Mais il ne faut pas qu'il m'arrête, quoi. Sinon, il tombe le vélo. Parce que l'équilibre même, il n'y a pas. Ça! Si c'est un vélo là, il y en a. Ils sont plus derrière même. Vélos sont derrière, c'est là. Si c'est un vélo, ne vous inquiétez pas, il y a un vélo. Si c'est un vélo de sport, puis que vous voyez dans le temps, j'ai mon vélo ici. Je faisais sport à cause de Facebook. Tu ne peux pas mettre musique. Dès que tu mets musique, on dit madame. Supprimer, c'est parce que j'étais là, je faisais vélo, vous savez, c'est là, je dépose ici, je mets mon maillot, je fais mon vélo dans la maison, c'est tout. Et le sac, madre, quel sac? Marie-Pierre, quel sac? Marie-Pierre, qu'on a, quel sac? Là, je n'ai pas fait attention. Je vais aller regarder si elle avait sac. Est-ce qu'elle avait sac? Elle avait un sac. Attends, je vais voir. Oh, j'ai le sac. Ça, c'est ici. Vous voulez que je sorte ça? Où est ça? Le sac, ça, là. Sac en paille, là. Sac en paille, là. Oh, il y en a un ici. Où est ça, même?
Je dois mettre dans ma valise. Il y a deux. Il a fallu même prendre trois. Six sacs là. Un panier là. Oh. Sac à panier là. Où est ça? Sac à panier là. Où est mon sac à panier? J'ai même deux. Où est mon sac à panier? Qui vous a dit ça? Il y a le sac. Hein? Attends. Oh, oh, oh. Hey! Donc, vous me... Attendez. Oh. Oh. Je suis intégré. Hein? De toute façon, vous me voyez là. C'est intégrité même qui est là. Attendez. Attendez. Je... Est-ce que ce n'est pas? Attendez. Attendez. Est-ce que le sac n'est pas ici? Attendez. Attendez. Est-ce que... Où est mon sac? Mon sac à panier est où? Seigneur Jésus. Si je n'ai pas trouvé le sac, attends. Bonsoir, Bonnie. Attendez. Hey! Oh, je n'ai pas vite vu mon sac à mon marché. Le sac est tiens là. Le sac est tiens là. Le sac des mamies là. J'ai trouvé. J'ai trouvé. À cause de vous, j'ai cherché ça. Vous me connaissez. Moi, il y a des choses. Tu ne me lances pas des filles. J'ai cherché les sacs. Il y a au moins trois quelque part ici. Quelque part là. Dans les sacs, j'ai ça. Mettez les cœurs. Dans la... Je n'ai pas fait attention. Sinon, dans les sacs, j'ai ça. J'ai sorti le sac. Ah, dame. Donc, bref, ce n'est pas ça le truc. Est-ce que tu allais fustrer là-bas? La Juju pense qu'elle allait me... Elle peut jamais me fustrer. Vous savez, quand les gens disent Juju, il ne faut pas croire que c'est fait sciemment. C'est parce qu'effectivement, il y a un tout de Juju. Effectivement. Les sacs à panier, la façon j'adore. Quand je tiens ça comme ça, mon malin. Quand je vais au marché, les marchés qui sont dans le quartier, là, vous connaissez donc. Les marchés de mercredi, les marchés de jeudi, les marchés de samedi. J'ai mon sac. J'ai mon sac, comme les mamies, le sac à paille, façon tressée, et puis à mettre le pain dedans d'une manière, mettre du pain, façon enfin, pièce tienne là, façon j'aime ça quand je vois les vieilles là. J'ai ça, j'ai payé ça. Faut que la nuit là, si je ne vous ai pas pris photo de sac là pour poster, ce n'était pas moi. Ce n'est pas moi. J'ai trouvé. Étant donné que tu as une femme lourdement mariée, je ne vais pas te permettre voilà, de mettre ce genre de choses sur la toile. Sinon, j'en ai dans ma. J'en ai à la plage avec mes enfants et tout, en maillot de bain, en train de courir, en train de faire des choses. J'ai ça dans mon téléphone. Oui, j'ai ça. Mais vous, là, ils ont commencé à signaler, oh, mettez les cœurs. Ils ont commencé à signaler les cœurs, les cœurs. Mettez les cœurs. Ah, la luminosité est arrivée. Vous avez vu, non? Tout à l'heure, c'était noir, non? Tout à l'heure, c'était noir, non? Dites oui. Mettez les cœurs. Ils ont, ça a coupé, c'est revenu. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur. Vous avez vu que la luminosité est revenue. Le, ça là, il n'y a pas de filtre. Il n'y a rien. Mais le teint là, ça change comme ça. À cause de la lumière. Mettez le cœur. Dorès Viviane. Ça va. Lily MC Clément. Ma, non. Ma Juju ne peut jamais me frustrer. Elle peut jamais me fistrer. Quand elle sort, elle fait un genre de truc là, j'adore. Moi, j'adore, j'adhère. Je suis là, je la regarde. C'est une petite soeur. Moi, j'ai dépassé ça. J'ai dépassé ça. Je rentre dans bientôt 50 ans, j'ai dépassé ça. Il y a certaines choses que je prends pour rigoler. Je vais titiller, mais il y a certaines choses que je n'oserais pas faire. Si c'était, on va dire, 10 ans en arrière ou bien 15 ans en arrière, je pouvais me permettre de faire ce genre de choses. Elles sont encore jeunes. Elles ont encore la forme. Là, non, c'est juste pour vous titiller. C'est juste pour rigoler. Voilà, c'est pour animer un peu. On vous aime toutes les deux ici. Exactement. Oh, voilà, j'ai des limites à toutes choses. Vous me voyez comme ça, mais c'est très pudique. Hein? Je suis très, très, très pudique. Très pudique dans ce que je fais. Parce que je me dis, quand tu es un homme dans ta vie, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à cet homme-là. Et il y a certaines choses que tu ne peux pas oser faire sur la toile et puis ainsi de suite. Et puis comme les gens sont méchants, les gens ne sont pas gentils, on peut prendre ta photo, par exemple, où tu t'es mis à la plage tranquillement pour faire un autre truc où tu n'as pas pensé. Voilà, les détracteurs qui sont là, qui sont à l'afflux de chercher un peu qu'est-ce qu'ils vont t'attaquer. Et voilà, quelque chose même que tu n'as pas fait, on te dit que tu as fait. Imaginez-vous un instant, votre madre Francine va à maillot de bain, mais ils vont détourner ça dans un autre truc et puis ça va faire des choses que
vraiment tu ne penses pas. Souvent on dit ne donne pas le bâton à tes ennemis de te battre. Souvent on dit là, ne donne pas le bâton à tes ennemis de te battre. Il faut te préserver, il faut te protéger, il faut protéger ta famille. Sinon pour se mettre sur la toile en maillot, j'en ai plein. Oui, j'en ai plein, mais je suis avec mon mari, avec mes enfants. Voilà, je suis avec mon mari, je suis avec mes enfants. Oui, j'ai un très beau corps. Oui, je me plais comme ça. C'est ce que Dieu. Non, 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 je ne rentre pas dedans. Mais par contre, ma jugée était magnifique, toute belle. Et c'est ça aussi le jeu de Facebook. On essaie de titiller, de booster un peu. Voilà, la madre Francine Baye, ma jugée, elle est en vacances. Donc, je booste, je rigole, je fais un peu le tape à l'œil et tout ça. Et voilà, ça prend et puis c'est intéressant. Donc, bref, en tout cas. Mais par contre, j'ai perdu mon maillot de bain. Sincèrement, j'allais le mettre, mais j'allais le mettre autrement, c'est-à-dire porter mon maillot tranquillement, voilà, et mettre un pantalon par-dessus. Mettre un pantalon par-dessus, on peut voir mon bras, on peut voir mon dos, mais le bas, j'allais, donc j'ai pris un gros pantalon large, tout blanc, et là, c'est quand même décent pour moi, voilà. Prends tes queues, maman. Dorès, Ivan, merci. Pour moi, ça me va, voilà, même quand je pars à... Même quand je pars à la plage, c'est vrai que je suis couché en maillot de bain, mais quand je vais me lever, je mets un pareo par-dessus, voilà, pour cacher un peu, voilà, les rototos, les ratatailles. Je mets un pareo et ainsi de suite, voilà, ça c'est moi, c'est moi. Voilà, sinon je respecte toute personne qui arrive à le faire, chacun à son kiff, et puis voilà. Donc, par contre, ce que je suis en train de vous dire, effectivement, j'ai payé mon maillot rose. J'allais le mettre, mais j'allais le mettre autrement, comme je vous ai dit, avec un gros pantalon par-dessus. J'allais vous faire plaisir, me faire plaisir aussi. Mais voilà, voilà, vous savez, hein, on va dire une chose. Hein. Je vois un peu mes soeurs qui se mettent en maillot rose là pour dire à mes Amazon, bon, voilà ce que j'ai fait. J'ai porté mon maillot, j'ai mis mon pantalon, je suis bien avec mon gros chapeau, avec mon verre, nani, nananana. Je voulais faire ça pour vous dire, voilà, je suis en vacances, tout va bien. Mais par contre, c'est perdu. Mais bon, je peux chercher ailleurs parce que là, franchement, une pièce que j'ai portée, ça m'avait pris vraiment bien, bien, comme si c'était fait exprès pour moi. Nyon est d'adorité, Stokos, ma grande soeur, comment tu vas? Hé, Marie-Pierre Conan, qui a volé le maillot de la main? Hé, ma fille, j'ai déposé le maillot. En fait, quand je suis sortie, franchement, hier, j'étais KO. Donc, j'ai pris le sac et j'ai posé ça. Vous savez, quand tu t'assois, j'étais assise là et j'ai mis ça vers le côté passager. J'ai posé, j'ai mis mon sac et j'ai déposé mon grand sac blanc que je suis sorti. J'ai posé là-dessus et je me suis affaissée comme ça, j'ai dormi. Et quand je me suis levée, quand je suis arrivée, voilà, c'est-à-dire à mon arrêt, je me suis levée, j'ai pris mon sac, je descends. Et c'est quand je suis descendue, je dis, mais attends, le sac blanc est passé où? Normalement, c'est visible. Et déjà trop tard, bim, le train est fermé. Je dis, mais oui, le sac, ça attend pas. Fermé, c'est parti. Mais le père allait faire déclaration de retrouvailles du maillot de bain, pantalon de votre madre. Et qu'est-ce qu'il rentrait là? Ma fille était attachée comme ça. On est celui qui a perdu le pantalon. On est celui qui a perdu le sachet. Je dis, capricieuse que votre madre est là. Oui, on peut être capricieuse. Les capricornes là sont capricieuses quand même. Non, Pascal, c'est pas... vraiment... T'as vu la dame là, tellement je vais vous dire que je suis retourné là-bas pour lui dire que mais tu te rappelles, je suis retourné pour vous montrer. Maintenant, il faut voir ma bouche maintenant tirer, venir déposer sur le monsieur qui n'a rien à voir sur mon maillot de bain. Il n'est même pas au courant que moi, il y a fait challenge de maillot de bain. Il ne sait même pas qu'il a payé maillot de bain. Il ne sait même pas qu'il a payé pantalon blanc. C'est maintenant, il vient maintenant pour dire que non. Et j'ai dit, t'as vu, non, mon pantalon, il dit, quel pantalon, quel maillot de bain? Il a payé, c'est resté là-bas, il dit, aïe. Maintenant, voilà ma figure. Caprice de lui. Ma petite soeur Francine va me tuer. Je te parle. Quelqu'un n'a pas vu. Je ne suis pas allé payer. Il n'est pas au courant que ça allait payer quelque chose. C'est moi. Il vient maintenant. Voilà, attaché maintenant. Énervé. Jusqu'à le monsieur a dit que bon, c'est pas grave. On va aller chercher. Jusqu'à le monsieur dit va aller chercher Marie de. Le monsieur a dit qu'on va aller payer maillot de bain, pantalon blanc, on va aller chercher dans votre magasin. Yeah! Non, mais pas tout ça. On va aller chercher pantalon là, maillot de bain, d'ailleurs. Oui.
Ah, vraiment. On va décortiquer la vidéo de Tigui, franchement. La gare de Lyon là-bas. Il va aller, donc il allait au somme, j'ai perdu. Pour aller chercher maillot de bain, pantalon de votre madre au somme, j'ai perdu. On lui a dit de venir dans 48 heures. Il connaît sa chose, sa bouche attachée à un maillot de bain. Parce que de toute façon, il décrit comment il allait porter le maillot là, lui-même l'a dépassé. Il dit que, chérie, c'est pas souvent, mais si je vous filme, votre madre vous a dit, ouh, il dit, chérie, maillot que tu vois là. De toute façon, il allait m'habiller dans le maillot là. Et puis, prendre mon champagne. Et puis, il y a un marché dedans, il y a mon gros pantalon blanc. Tu sais qu'il a pris le pantalon pour couvrir. Il dit, oui. Pour ne pas qu'il se fasse genre, il dit, chérie, quand il a pris le maillot là, il a payé un pantalon blanc dessus. Il dit, ah, il dit, oui. Et puis, le pantalon là, il est gros. Il est pote. Et puis, c'est le dos, on voit. Il dit, ah, d'accord. Non, femme, non. Et non, il ne me promet pas un maillot de bain seulement, il y a mes pantalons dessus. Ah, il dit, ah, d'accord. Il met le pantalon blanc. Mais bon, si il marche, on voit, mais c'est un pantalon. Quand on est à la plage, quand même, on est à la piscine. C'est ça. Mais il y a même un pantalon, et puis c'est le dos, la manche. Il dit, ah, d'accord. Donc le pantalon, tout ça là. Pourquoi on n'a qu'à accepter le maillot de bain? On met sur le live de Droutigui. On va passer maintenant au live de Droutigui qui a parlé de sa ferme. Parce que nous, depuis fort longtemps, on pensait que Droutigui a eu de l'argent, il a dilapidé. C'est ce que tout le monde dit. On dit, mais comment on peut te donner des millions comme ça, puis tu n'as même pas foutu, fait quelque chose avec ça. Donc, les gens, dès qu'on parle, disent, mais Droutigui, même, c'est quoi? Voilà Droutigui qui sort droit pour nous expliquer que même Moro Kassé, on lui a donné un peu d'argent, mais l'argent million que nous, on pense qu'on lui a donné, là. Il dit que, vous êtes au courant que lui n'a pas reçu, qu'elle est payée 5 francs. Est-ce que vous entendez Droutigui? Est-ce que vous entendez Droutigui? Donc, j'ai dit à Droutigui que sa sortie était gauche. Parce qu'actuellement, là, les gens sont sur l'affaire de Mada et Tioté. L'affaire a pris le quartier. Il reste un peu, les gens vont arriver à la CPI. Donc, il fallait attendre. Il faut réfléchir pour voir. Parce que le beurre, c'est chaque deux. Mais pour madame, ça fait une semaine ou 2 semaines. L'affaire ne finit pas. On ne voit pas devant, on ne voit pas derrière. J'ai dit que vers l'affaire, c'est CPI qui a séparé cette affaire-là. Les gens sont concentrés. Voilà aussi la maman d'Adingra. La femme-là, la vieille-là, la maman-là. Si on dit qu'elle n'a pas flotté, je lui donne ma main en confection. Si on dit maman qui est sortie là, si elle a menti là, non. Je vais lui donner un film, on va tourner. Parce que façon la femme l'a fait là, je ne peux même pas imaginer qu'on dit que c'est faux. Je ne peux pas imaginer qu'on dit que la femme l'a menti. Parce que moi, au fond, tellement que ça donne mes 10 mains comme ça. Ça dit mon petit agent là, on va l'envoyer. On va payer 10 vins. On va payer manger. Elle va manger. Et puis je vais lui donner enveloppe. Si la maman là, elle dit. Jusqu'à preuve du contraire, je crois à la maman là. Je ne peux pas imaginer que la maman là a pas fauté. Je ne peux pas imaginer, ça dit que je ne pense même pas que la maman là peut mentir. Wallahi bilahi talahi. Oumoukone, ma soeur, la madre, tu es mauvaise, tu ne veux pas que. Je me baigne avec mon maillot. Et voilà ma soeur en train de se baigner avec son maillot. J'ai dit à cause de vous, moi, aller chercher un maillot là. Il faut que je trouve un maillot. C'est vrai que j'ai les anciens maillots ici, mais c'est vert fluo. J'ai un maillot ici, mais c'est vert fluo. Oui, donc, mais comme c'est affaire de rose, bon. Sinon, il y a un vert fluo. Imagine le teint de la madre faisant sur du vert fluo. Et puis, il y a un là, c'est fleuri. Mais non, c'est rose bonbon là. Je vais aller chercher ça. Je dois vous faire ça du. Je dois vous faire. Vous devez voir la madre principale. Même si vous n'avez pas vu son bas, vous devez voir son en haut à maillot. Donc, maillot rose bonbon, une pièce, pas deux pièces. Parce que ceux qui portent, on dit, c'est pas n'importe qui porte deux pièces. Non, mais c'est en soutien en plus. Il y a le fluo ici, en soutien. Il ne monte pas le bas, mais le haut est là. Mais il y avait rose. Voilà aussi, aller porter. Deux pièces. Bon, moi, je peux mettre deux pièces. Mais avec mes parents, Whitey. Parce qu'eux, ils ne jugent personne. Chez mes parents, Whitey, là, ils ne jugent personne.
Prends rouge Bordeaux. Hein, de prendre rouge Bordeaux. Hein, rose de Bordeaux, rouge Bordeaux. Donc, je vais retourner chercher. Dans le coin, là, il n'y a plus ma taille. Là-bas, c'est fini. Les gens ont tout ramassé. L'été est déjà fini. La rentrée vient. Donc, tu sais que les maillots, là, c'est en fonction des périodes. Non? Donc, je vais aller encore dans un autre magasin que je vois là. Viens, voici, il y en a là-bas. Tu sais que les grandes tailles, là, ça part vite. Et puis, nous, là, si ce n'est pas 42, 44, 46 là-bas, là, on ne gagne pas. Donc, quand je m'en vais là, c'est maintenant les 30 personnes. Tous les gens sont partis. Quand ils reviennent, c'est maintenant moi, je suis en vacances. Ça. Ils sont partis quand c'est maintenant. Donc, moi-même, j'ai remarqué que maintenant, là, si je dois aller à la plage, c'est avec mes parents Waïti, là, parce qu'eux, ils ne jugent pas. Où tu es là, ma soeur, où me connaît, où tu es là, personne, personne ne te regarde. Les Waïti, là, sont versés. Waouh, il y a d'autres maisons, 3 ventes, 4 ventes. Elles s'en foutent. Voilà, elles portent leurs maillots. Fais ça, il n'y a pas de choses. C'est chez nous seulement. Tant qu'on n'a pas eu hanche, tant que ça n'a pas débordé, on dit que tu n'as pas forme. C'est nouveau modèle de forme, on se demande où ça quitte. Nouveau modèle de forme qu'on maintenant là même, on ne sait pas. Si tu n'as pas hanche, on dit que tu n'as pas forme. En tant qu'on regarde, parce que quand même, on les promène ici, là, ils ne les croisent pas comme ça. Là, un flocon 2. On dirait d'en faire, là, il y a flocon 1, appelle flocon 2. Quand tu es marié, par exemple, je parle de nos femmes, les femmes lourdement mariées, par exemple, ton mari, c'est que tu as un placard devant, tu as un placard derrière. Si tu as envie de te mettre dans ta belle robe qui va te donner un peu de rôdeur, tu lui montres le collant. Tu dis, chérie, ça c'est un collant. Il y a un peu de jeu pour voir un peu de rôdeur. Il doit être au courant. Une île paradisiaque. Personne ne regarde sa camarade. Ici, il y a un. Il y a voilà. Une île paradisiaque. Oui, tu es en vacances. Je sais que tu es en vacances. Depuis combien de temps? Une île paradisiaque. Personne ne regarde quelqu'un. En Espagne. Oui, personne ne regarde. Voilà quelqu'un. Mais si tu étais chez nous, là, tu es dans la merde, tu passes, on te regarde, on te dit, parce que je ne comprends rien. Là-bas, là, voilà, mais elles s'en foutent. Voilà, fesses à placard debout. Elles s'en foutent. Voilà la peau, elles s'en gabent. Mais si c'est nous, là, Dieu vous l'a dit. Là, regardez là. Son teint à moitié, et son teint à moitié achevé, son teint André Bache, son teint André Chaussette, et en haut est noir, en haut est clair, critiquage de ça. Comme toi-même, pour tes mains en maillot, même c'est compliqué. Pour tes mains en maillot, même c'est compliqué. Moi-même, je suis en train de commander un BBL lampe. Bon, un BBL, c'est trop dit, c'est-à-dire, je suis en train de commander un collègue, qu'il y a les choses qu'on fabrique là. On dirait qu'on met dans la bille là. Et puis ça te fait non point moins bien là. Et puis tu as sapé, tu as dit, mais le mari est au courant qu'il y a quelque chose en bas. Pour ne pas que quand tu viens, tu enlèves, il voit que bon, c'est ancien là qui est là. Ça dit qu'il doit être en complicité avec toi. Voilà. C'est les nouvelles là qui s'en cherchent les gars là. Maintenant, toi, tu es nouvelle, tu vas chercher un nouveau gars. Il ne te connaît pas. Tu as mis ça maintenant. Voilà, tes formes sont jolies. Maintenant, vous partez, maintenant, tu éteins la lumière, c'est pourquoi. Nous, comme ça, on peut porter. C'est pour nous-mêmes. C'est nous qui sommes dans le foyer, là, on peut porter ce genre de choses comme ça pour sortir. Pour dire que, bon, il y a fait des enfants, bon, actuellement, ici, là, ça a un peu diminué. Ça a un peu diminué, on dirait que quand il y avait 20 ans, là, c'était là, mais à force de partir, on dirait que ça a diminué. On dirait que Dieu enlève un peu pour diminuer. Donc, peut-être qu'il y a les... Je ne parle pas de l'autre, là. Il y a une, là, comment elle s'appelle? Je ne parle pas de Leslie Choco, hein. C'est que Leslie Choco porte depuis avec bro. C'est pas ça que je parle. Je parle des les cyclistes là. Je vois, il y a les cyclistes, je vois les mousses. C'est des cyclistes là, je parle. Les gaines. Elles sont gaines comme ça. Et puis gaines, voilà, fesses ici. Oh, peu, moi, je dis que moi-même, si j'ai rajouté, ça a dépassé pour Edoxia. Oh. Si je m'amuse pour porter ça, si c'est que Dieu m'a donné là, ça a dépassé pour Edoxia. Oh. C'est vrai, non? Si, mais ça, il faut que je commence, il y a une voix claire dedans. C'est ce que je voulais vous dire. Bon, on va continuer. C'est un que Dieu nous libère. C'est un que Dieu nous libère. Vous êtes la seule personne à dire à la nation ivoirienne que je n'ai pas reçu cette somme de 22 millions. Ah, hein, Edoxi porte collant. Donc, Edoxi n'a pas. C'est collant et porte. Oui. Edoxi porte collant. Non, mais c'est impossible. C'est impossible. Donc, ce point-là, c'est pas vrai, vrai. Vous voyez qu'il y a les affaires ici. Et puis, les gens viennent nous ficeler. Oh, pourtant, quand on fuit bien, c'est pas... Donc, c'est collant. Oui. Ah, oh, gagne-moi. Bon, on va écouter. Oui, je confirme. Oui. Yo. Non, 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 non. Vous êtes
récupérer. Je vous demande de faire une conférence. Vous êtes Touré, ministre de la Jeunesse, papa Mamadou Touré, en âme de conscience, vous êtes la seule personne à dire à la nation ivoirienne que je n'ai pas reçu cette somme de 22 millions. Donc, Dougoutigui nous dit qu'il n'a pas reçu la somme de 22 millions. Ah, mais cette affaire de somme de 22 millions est passée où? Parce qu'on nous a dit qu'on a donné 22 millions, qu'on a fait une ferme pour Dougoutigui. Donc, c'est un flocon et après un flocon 2. Oui. Vous êtes la personne à me libérer. Je vous demande de faire une conférence. À comprendre, des femmes qui ont mis des enfants au monde. La madre, ça a été confirmé. Parce que ça a été confirmé. En bon. Ah, il est sorti. 22 millions. La somme que vous avez déléguée, c'était 1,5 million. J'ai suivi les poulets. Et jusqu'à sa arrivée, il y a eu des morts. Ici, il y a 400 000 francs. Ah! Donc, dans 22 millions, il a donné 1 million et quelques. Il a suivi les poulets. Il y a eu des morts. Il est resté à 400 000 francs. Le ministre dit fermer les quoi, le poulet qui a mal été géré. Le ministre dit ferme le poulet qui a été mal géré. Ah, j'ai pas compris. Il est 400 000 francs. Ma fille Grâce venait de naître. J'ai pris cette somme pour m'occuper de ses soins jusqu'à aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, elle va bien. Papa, maman, retourné. Dites à la. Parce qu'aujourd'hui, le monde. Mes frères, mes soeurs me voient un enfant maudit. Aujourd'hui, vous avez récupéré le terrain. Parce que j'ai reçu M. Franck Baye qui m'a dit qu'il est votre fort conseiller. M. Franck Baye m'a dit que vous dites que vous avez besoin de récupérer le terrain. Et en retour, vous allez me faire une formation de police. Que vous avez récupéré le terrain. Vous avez fait une formation. Vous êtes informé les jeunes. Mais le terrain m'a passé. Moi, je ne vous ai pas demandé quoi que ce soit. C'est vous qui m'avez dit que nous l'implique. Ja! Si Cécile a la magie, elle est partie là, c'est pas un doutique. Elle pensait qu'il y avait un jet. Elle est partie là, mais elle a vu qu'il y avait un follow, même 5 francs, il n'y a pas. Il n'y a pas l'argent là-bas. Donc Cécile a resté, elle avait espoir King Solo. Elle attendait pour dire que c'est vraiment. Elle attendait pour dire que ah, mon chéri va avoir millions là. Vends-moi des millions. Quel pays il y a eu? Franchement, pendant des années, on est assis là, on s'est dit que hey, le ministre lui a arraché la ferme. Hey, le ministre a arraché la ferme. Mais on n'a pas dit qu'il y avait un savon dans son oreille, que c'était la ferme était pour lui, qu'on avait donné 20 ans. Dja, il n'y avait pas de ferme. Dja, Dougoutigui n'avait rien. Et puis, mais Dougoutigui, mais je ne comprends pas. C'est maintenant là que tu sors. Ou à faire de Mada, 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 on ne peut pas respirer. Tu vas à gauche, Mada, tu vas à droite, Mada, tu vas au milieu, Mada. Mada est la maman de Adengra actuellement. Toi, tu sors. Pourtant, on va se passer devant moi. Moi, quand j'ai vu ça, je te dis, bon, je vais venir en parler, mais je ne vais pas m'attarder parce que actuellement, c'est la maman d'Adengra qui fait le buzz, avec Mada qui fait le buzz. Maintenant, toi, pour toi, elle est passée crème. Personne n'a prêté attention parce que les gens sont concentrés. Actuellement, nous sommes très concentrés dans cette histoire de maman d'Adengra et Mada jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau dossier qui apparaît, qui nous fait changer et puis on change de direction. Tu as vu que tu es sorti pour toi, là, n'a pas fait bim. Parce que les gens disent que oh, cette histoire-là date de 1900, c'est maintenant lui. On va payer champagne, on va envoyer l'argent pour dollars. Parce que non, non, si ce n'est pas sa maman, oui, si ce n'est pas la maman, hey, si la vieille-là n'est pas la maman d'Adenga, hey, wallahi bilahi, non, on va cotiser pour donner l'argent à la femme-là. Non, on va cotiser pour donner l'argent à la femme-là. Et puis dorénavant, tous ceux qui veulent faire film, n'ont qu'à appeler la maman, elle va faire scénario pour eux. Si ce n'est pas sa maman, parce qu'il y a preuve de côté dans mon cœur, dans mon instinct maternel, oui, je veux avoir des pincettes, parce que dans mon cœur, je veux même qu'on sorte pour dire que c'est vraiment la maman d'Adengra. Hey, le show de ça. Parce que j'ai espoyé sans qu'on dirait que c'est sa maman. Oui, moi, dans mon cœur, je dis que c'est sa maman. Parce que maman, elle ne peut pas jouer à ça. Elle ne peut pas nous mettre dans flocon et après flocon. C'est impossible, la vieille là. Il est courroie, la vieille là, il a le fait ça. Il est courroie, la vieille là. Je crois. Si on me dit la femme là, hey, je crois, je ne peux pas imaginer. Oh, il a dit, je crois la maman là. Si on dit, ce n'est pas sa maman. Si on dit, ce n'est pas sa maman. Moi, il n'y a pas la blâmer, il y a la félicité. On peut bloquer un buzz comme ça.
on peut rester. On peut. La star malade de la vie, elle a même dépassé pour nous. La vie est star. Ça dit, à une seule vidéo, la vie a mis bif. Attends, nous avons Anon là. La vie a cassé la baraque. Si on dit, c'est pas sa maman là. Si on dit, c'est pas sa maman là. Ouh, la vie a bloqué le méta. Elle a bloqué TikTok. Elle a bloqué partout. Elle a la une. Elle a la une même. Ça dit qu'elle est dangereux faiseur de buzz là. Quand ils viennent, on parle pour une fois, puis on retourne vers la maman. On dit la maman là, nous a lancé sort. On dit la vieille là, nous a lancé sort. Ça veut dire que vous allez parler de moi, Ika Lascaras. Vous avez vu ma Juju. Elle était en maillot de Ben String. On a parlé, c'est vrai, on revient encore, Jean Dengra. On dit la faire un lavage de cerveau. Pour dire que vous serez à moi jusqu'à ce que le feu sort. Oui, on peut bloquer le compteur comme ça. On peut bloquer le compteur comme ça. Donc, Douti, pour toi, là, n'a pas pris. Parce que actuellement, là, la maman d'Adengra est là. Cherchez-vous. Vous avez pris les choses en main. Et jusqu'aujourd'hui, vous avez récupéré le terrain. Sans mon contentement, vous avez tout mis mes affaires dehors. Je ne sais pas où ça se trouve. Ah, donc, ils ont pris le terrain, ils ont jeté ses bagages dehors. Ils ont jeté les bagages de Douti dehors. Oui. Dans la vie, là, il y a des choses. Tant que tu n'as pas réussi, là, il ne faut pas dire que tu as réussi. Douti aussi, tout ce qui a duré d'enfer, là, hein. Quand tu cries, d'après ma maman, souvent elle dit que quand tu es malade, mais tu ne peux pas aller demander crédit. On dit que tes enfants en France, tu es malade, mais tu ne peux pas. On dit tes enfants en France, affaire de quand on dit que tes enfants en France, tu ne peux plus demander crédit. Si tu as fait, non, envoyez-moi mon argent. Envoyez-moi mon argent, il y a moyen tous les jours parce que je ne peux plus aller demander crédit, je ne peux plus faire quoi que ce soit. Mon enfant en France, d'où tu donnes 22 millions, on t'a donné là. Tu ne peux plus, dès que tu penses que tu as 22 millions, déjà on t'a rien donné. Tu n'avais rien réussi. Yako. Ça là quand même c'est fort. Hein. Qui va te croire aller là? Ton nom est gâté. Aujourd'hui, vous avez vu, les gens disent que non, je ne suis pas un exemple. Ah, nous, c'est ce qu'on a dit. Hein. La vérité. Vérité là, c'est mal sorti. Un employé sur la femme. Yo. La femme ne m'appartenait pas. Je ne sais pas si les papiers. Bonsoir ma fille, mes révélations. Comment tu vas? Je file. Bisous. Eh, on dit quoi, ça va? Bisous là-bas. Couri. Ah, hein? On peut faire ça. Que je réussisse en vraie force. Papa, maman, dites la vérité à la nation. Dites la vérité à la nation. Donc, vous êtes au courant que le Douti n'a pas eu son prix. Mon manager s'est trompé, il s'est pas fait de 22 millions. Donc, moi, j'ai compris que Douti, dans tout ce qu'on a eu, on pensait qu'il a eu l'argent, mais il n'a pas eu l'argent. Le ministre avait promis, on ne sait pas ce qui s'est passé. On dit le ministre a récupéré. On m'a donné. Puis tu viens dire, et puis aujourd'hui, quand tu te lèves pour venir dire que c'est faux là, personne ne te croit. C'est vrai que souvent on peut être coincé. Souvent qu'il y a des promesses. Ah, je te promets ça, je vais te donner dans tant, et puis qu'on ne te donne pas. Mais plus ça traîne, ça fait quand même des années. Quand tu sonnes, ça a duré, les gens passent à autre chose. Quand vous promettez des choses aux jeunes, là, donnez-les leur promesses. Parce qu'après, là, ils ne peuvent plus aller chez quelqu'un pour demander de l'argent. Ils ne peuvent plus. Moi, j'ai vu la vidéo de Douti, ça m'a fait quand même très mal. Et ça m'a fait quand même... C'est une vidéo très triste. Les gens pensaient qu'il avait de l'argent, on lui avait donné de l'argent, il a dilapidé. Quand Douti passe ici, on dit, oh, toi, franchement, on peut te donner des millions comme ça. Et puis toi, quand même, tu n'es même pas dégourdi, tu vas faire des choses, tu as dilapidé. Ah non, c'est un frère, on n'a pas de nouveau gars. Attends, c'est ça, le promesse seulement. Donc aujourd'hui, il est là, il va à gauche, à droite, on l'envoie, on le balance un peu et tout. Quand vous avez promis quelque chose aujourd'hui, donnez-lui sa promesse, donnez-lui quelque chose au moins, pour qu'il puisse se défendre. Mais on dit 22 millions, tu dois 1 million et quelques. Et puis c'est quoi, poulet, tu as élevé poulet, après poulet, même à Dja, à faire des poulets aussi, c'est pas évident. Hein? Douti Toyako, franchement, moi j'ai vu la vidéo là, ça m'a quand même peiné pour voir que franchement, je ne pensais pas qu'on ne lui avait pas vraiment donné de l'argent. Moi, pour moi, il a reçu l'argent et puis il a dilapidé comme tout le monde pensait. Mais ce n'est pas faux. C'est pas vrai, plutôt. C'était quelque chose de camouflé. Franchement, je pense que le ministre... Mal. D'accord. J'ai tellement supporté ce mal qu'aujourd'hui, je vais vraiment dire la vérité à la nation. Je n'ai pas réussi, papa, mon mal tourné. Dites à la nation ivoirienne que mon manager s'est trompé. Mon manager n'a pas dit... Donc, Douti n'a pas reçu 22 millions, mes Amazon et mes guéris. Douti n'a pas reçu 22 millions, il n'a rien reçu. On l'a promis, mais 20 ou 5 francs, on a récupéré
comment on appelle, terrain, tout ça, là. Rien du tout. Va-moi. Ma vidéo est figée. Ma vidéo est figée, mais ce n'est pas grave. Donc, c'était juste pour vous dire que quand j'ai vu la vidéo de Douti, ça m'a vraiment fait mal. C'est-à-dire qu'une promesse, qui n'a pas abouti du tout, du tout, du tout, le monsieur est là. Il ne peut même plus aller demander le service à gauche, à droite, parce qu'on lui dit qu'on lui a donné 22 millions, ce qui n'est pas vrai du tout. Il n'a rien touché. Voilà, il travaillait dans une ferme. Il s'est dit que, par exemple, dans la ferme, il n'était même pas propriétaire, il était employé. Il y a des gens qui venaient récupérer l'argent pour partir. Donc, vous voyez un peu de boutique qu'on pensait que, hey, il a eu 1 million, il a eu 1 million, il a dilapidé. Voilà la vérité. Il n'a rien dilapidé. Donc, les personnes qui veulent l'aider encore, il a dit, ceux qui veulent l'aider, il est là pour qu'on puisse l'aider pour avancer. On a dit aussi, lui aussi, il a dit que le ministre veut qu'il fasse école de police. Donc, dans l'affaire de l'école de police, bon, d'outils à quel, on va dire, quel. Donc, voilà ma main de Guy Robert ici. Donc, Douti, ceux qui veulent t'aider là, ah, non, parce que tu as eu 22 millions, tu n'as pas eu 22 millions, voilà ma main. C'était juste un petit coucou pour vous dire que je suis là bien, mais un peu fatigué, je tire, mais bientôt les vacances, je vais profiter. Donc, je vous dis bonne soirée, c'était juste que votre madre va bien et que passez une bonne soirée. On va dire peut-être demain, je ferai un live parce que Facebook, c'est ça, il faut en faire même une fois par jour, mais c'est difficile quand même de faire des lives une fois par jour. Vous voyez, ça fait plus de combien de temps que j'ai pas fait. Facebook n'est pas trop content. Ils envoient les messages pour dire non, que oui, la page ne travaille pas, la page ne travaille pas. C'est devenu crédible du travail. C'est devenu crédible maintenant. Donc, Douti, ton Yako, ah, on pensait que tu étais devenu millionnaire. En temps, c'est flocon et après flocon deux. Mais c'est mieux de te vider. C'est mieux d'expliquer le problème au lieu de garder le problème dans ton cœur et ça te ronge. On dit voilà un millionnaire qui passe là-bas. Ah, 5 francs de millionnaire, il n'a pas vu là. On dit voilà un millionnaire, voilà quelqu'un qui a eu 22 millions, 23 millions. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Il a dilapidé ça. Il a jeté à gauche, à droite. Dieu merci, tu t'es libéré. Tout le monde sait que tu n'as rien reçu. Et même les terrains vont t'arracher, vraiment. Et tu es sans rien, tu es foloko, tu es assis par terre. Donc, merci au moins, je dis. Sinon, non, parce que tu as pris des. Monsieur le ministre, voilà l'affaire là qu'elle a.